Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière et le site Internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par Madame Gisèle Bouchard pour le repos de l'âme de Félix Bouchard. Le Seigneur vient nous toucher au cœur de notre quotidien, car c'est là que nous sommes vulnérables. Nous avons conscience de notre faiblesse et nous implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, descendu du ciel pour te faire solidaire des pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour nous appeler à devenir un peuple ardent à faire le bien, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu nous as préparé une place, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour et de miséricorde nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. Il y avait un homme de la ville de Rama, dans la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana. Cet homme avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Péninna. Péninna avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana montait au sanctuaire de Silo pour adorer le Seigneur de l'univers et lui offrir un sacrifice. C'est à Silo que résidaient, comme prêtres du Seigneur, les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Il distribua les parts de la victime à sa femme Péninna, avec tous ses fils et toutes ses filles. Mais à Anne, il ne donna qu'une seule part. Pourtant, elle était sa préférée, mais le Seigneur l'avait rendue stérile. Sa rivale cherchait, par des paroles blessantes, à la mettre en colère, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Cela recommençait tous les ans, quand il montait au sanctuaire du Seigneur. Péninna cherchait à la mettre en colère. Anne pleura et ne voulut rien manger. Son mari Elkana lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi es-tu malheureuse? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que 10 fils? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'en
du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Mon Dieu, je t'offrirai le sacrifice de louange. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Mon Dieu, je t'offrirai le sacrifice de louange. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Mon Dieu, je t'offrirai le sacrifice de louange. Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque, et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, dès le début de son évangile, saint Marc situe bien le personnage principal de son récit, Jésus, le Fils de Dieu annoncé par les prophètes et venu inaugurer le règne de Dieu. Pour accomplir cette tâche, il s'adjoint des collaborateurs. L'évangile que l'on vient d'écouter nous en présente quatre. Les deux premiers mentionnés sont Simon et André, qui sont des artisans pêcheurs. Il fait de même pour les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Jésus s'adresse à eux
en employant le langage de leur profession, vous l'avez peut-être remarqué, comment les appellent-ils? Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Expression curieuse à nos oreilles qui décrit le sens de leur mission. Dans la Bible, la mer est le lieu du séjour des puissances infernales que seul Dieu peut dominer. Péché des hommes consiste à arracher l'humanité à l'esclavage de la mort et du péché, mission à laquelle Jésus invite ses disciples à collaborer. Saint Marc, vous l'avez remarqué, présente une réponse immédiate. Cela ne veut pas dire que les disciples n'ont pas eu le temps de la réflexion et du mûrissement de leur vocation. Par ce procédé, l'évangéliste veut montrer que le service du Christ est toujours radical. Il souligne ainsi l'initiative et la force de la parole du Christ. De même qu'à l'aube des temps, il nous est dit dans le livre de la Genèse, il dit, et cela fut, Jésus appelle les disciples qui le suivent immédiatement. Ainsi, le style lapidaire de Marc nous aide à prendre conscience que nous avons tous à nous décider dès maintenant pour le Christ. Nous avons à nous convertir comme Jésus l'annonce dans sa prédication, c'est-à-dire à le préférer à tout, y compris ce à quoi nous sommes le plus attachés. On l'a vu dans la première lecture tirée du premier livre de Samuel. Anne est déçue de ne pas pouvoir enfanter. Elle s'en désole parce que pour elle, c'était très important. De plus, elle est méprisée par l'autre femme d'Elkana, Pénina. Celui-ci aime profondément Anne et lui dit tout son amour, cela devrait lui suffire. Elle est invitée à accueillir l'amour de Dieu et à offrir sa vie en sacrifice de louange. Je termine par une courte prière à laquelle je vous invite à vous unir. Jésus, toi le Fils de Dieu, adoré par les anges, envoyé au milieu de nous par le Père, établi héritier de toutes choses, nous t'accueillons dans notre vie. Viens nous purifier de nos fautes, donne-nous de croire à la bonne nouvelle et fais de nous des disciples heureux de te suivre. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Dieu qui nous donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Il est un vivant appel au cœur de notre quotidien. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde,
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il s'est inséré dans le plus ordinaire de la vie des humains et il nous a appris qu'il était Dieu. Avec Jésus, nous pouvons maintenant le prier en toute confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Thank you.
l'antienne de la communion. Comme une biche languit après l'eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vous ne pourrez plus regarder votre quotidien du même œil. Faites de votre vie un terrain d'accueil pour Dieu. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.